On se retrouve pour cette nouvelle vidéo spécifique pour l'arthrose. Donc cette fois-ci, on va faire l'arthrose au niveau des épaules. Trois thématiques, les amplitudes, le renforcement musculaire et les étirements. Il n'y a pas besoin de matériel pour cette séance, donc on est parti. Allez, let's go! Allez, pour débuter la séance, on vient bien ancrer les pieds au niveau du sol. Les épaules sont bien relâchées. On va venir amener les épaules aux oreilles et les descendre le plus bas possible. On est parti pour une session de 30 secondes. N'hésitez pas à faire 10 secondes au départ et plusieurs fois l'exercice. Je vous montre juste une petite routine à avoir au niveau des exercices. Donc vers le haut et je descends le plus bas possible. Vers le haut, je monte mes épaules aux oreilles et je descends le plus bas possible mes omoplates dans le dos, sans hein, creuser dans le dos ou arrondir le dos. C'est bien inspiration, expiration, ouvrez les côtes. Et je viens relâcher. On va faire l'abduction et l'adduction, ça veut dire que je viens écarter mes omoplates dans le dos le plus possible sans lever mes épaules et je viens les rapprocher dans le dos. Encore vers l'avant, je laisse bien mes omoplates vers le bas pour écarter les omoplates le plus possible de la colonne et je les rapproche le plus possible. Pensez bien toujours l'inspiration, l'expiration. Et derrière dans le dos. Gardez bien le nombril, rentrez vers la colonne vertébrale. C'est uniquement un mouvement au niveau des omoplates. Donc là, on vient chercher de l'amplitude dans l'épaule. Dernier. Et on vient relâcher. On va cumuler les deux mouvements maintenant. Donc on va aller chercher vers l'avant et vers le bas. On vient monter pour chercher vers l'arrière. Et on redescend. Encore. Haut. Vers l'arrière, on rapproche les omoplates. On fait glisser les omoplates le long du dos. Et encore. Vers l'avant. On tourne. Et on relâche. Encore l'avant. Vers le bas, on monte. Une fois que c'est monté, on va chercher dans le dos derrière. On redescend. Encore une fois, vers le haut, et on redescend. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc derrière, on vient rapprocher, on vient monter. On ramène les omoplates devant, et on vient redescendre. Encore derrière, on vient monter, on les rapproche devant, les écarte les omoplates dans le dos, on vient les descendre en bas, et de nouveau. Allez, encore, vers le haut, pensez bien inspiration, expiration, vers l'avant. Et on redescend les omoplates. De nouveau, derrière, je fais glisser mes omoplates le long de la colonne vertébrale. Je les écarte vers le bas. Le dernier, je fais monter. J'écarte et je redescends. Et je viens relâcher. Allez, partie renforcement musculaire. On vient mettre ses deux mains au niveau de ses épaules et on va aller chercher à lever et à redescendre, à lever et à redescendre. Attention à ne pas partir en arrière, c'est vraiment uniquement mes coudes et regardez, mes coudes sont pas vers les extérieurs, je reste bien vers le haut et ça bouge pas. Pensez bien inspiration, expiration, on redescend uniquement à hauteur d'épaule. On va bien chercher vers le haut sans ouvrir dans les coudes toujours. Et sans partir en arrière, on ne laisse pas partir le buste en arrière. Là, on vient chauffer dans les épaules, vers le haut, et on relâche. Allez, encore, vers le haut, on relâche. On ne laisse pas partir les coudes sur les extérieurs toujours. Et le dernier, et on vient relâcher. On reste à hauteur d'épaule, on va aller chercher à ouvrir sur le côté et à revenir, sans baisser. Au niveau de la hauteur, au niveau du coude. Ici. Et on revient. Ici. On revient. Pense bien inspiration, expiration. Ça vient chauffer dans les bras. Pareil que tout à l'heure, 30 secondes d'exercice. Vous pouvez très bien faire 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, le faire plusieurs fois. C'est juste pour vous montrer le bon mouvement. Pensez bien inspiration, expiration, le coude ne descend pas. Et le dernier. Et on vient relâcher.
On repart avec les mains au niveau des coudes. Cette fois-ci, on va les chercher à cumuler les deux. Donc, on va chercher vers l'arrière à ouvrir au maximum. Donc là, on vient travailler une fois dans les enfin une fois. On travaille dans l'amplitude et on travaille dans le renforcement musculaire. Allez bien chercher devant en haut. Et une fois que vous êtes bien en haut, on va chercher sur les extérieurs. On vient étirer dans les pectoraux en même temps et on vient relâcher. Pensez bien inspiration, expiration. Ça chauffe dans les épaules, c'est normal. Bien vers l'arrière. Vers le haut. On vient relâcher. On vient relâcher. Et le dernier. Et on vient relâcher. On a fini la partie au niveau du renforcement musculaire, on va chercher dans l'étirement. On va mettre un bras devant, on vient chercher avec sa main opposée au niveau du coude et on vient rapprocher le bras du thorax au maximum. On pense bien inspiration, expiration. On garde bien l'épaule vers le bas, toujours dirigée vers le bas. 30 secondes d'exercice, n'hésitez pas encore une fois à aller chercher encore plus d'étirement, faire des sessions plus courtes. Inspiration, expiration. Et on vient relâcher. La même chose de l'autre côté. On vient chercher le coude de, avec la main opposée et on vient rapprocher. On vient rapprocher le coude vers le thorax. Gardez bien l'omoplate vers le bas toujours. Pense à mon inspiration, expiration. Allez, encore quelques secondes. Rapprochez à chaque expiration de nouveau le bras. Et je viens relâcher. On vient amener ses mains vers l'arrière. Là, cette fois-ci, on va tirer vers l'arrière. On pense bien inspiration, expiration. On va au maximum de ses amplitudes sans pour autant cambrer. Hein. On vient chercher toujours à se grandir, à rester bien grand. Bien vers l'arrière, mes omoplates sont bien serrées dans mon dos. Chaque expiration, je vais chercher encore plus loin. Et je viens relâcher. On va mettre les mains devant et cette fois-ci, on va venir chercher à étirer vers le haut. Vers le haut. N'hésitez pas, si ça devient trop difficile à maintenir, à relâcher ici et à repartir de nouveau vers le haut. Ouvrez bien dans les côtes. À chaque expiration, on les cherche encore plus loin en poussant encore plus les bras vers le haut. Allez, encore quelques secondes. Pensez bien inspiration, expiration. Laissez pas le buste partir avec les bras. Gardez bien la tonicité de vos abdominaux en rentrant votre nombril vers la colonne vertébrale. Pensez bien ouvrir dans les côtes. Et on vient relâcher. Voilà, du coup, je vous ai montré la petite routine pour l'arthrose au niveau des épaules, donc des exercices d'amplitude articulaire, de renforcement musculaire et d'étirement. N'hésitez pas à regarder mon petit e-book qui vous récapitule ce qu'est l'arthrose, les exercices qu'on a vus aujourd'hui, adaptez-les en fonction de vos douleurs, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. Ciao!